Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de Falanruk, du coup, et on va continuer à suivre Falan et Shay dans leur folle aventure sexuelle et en même temps découverte des sentiments l'un pour l'autre. Et donc du coup, bah, allons-y, on perd pas de temps. J'espère que l'épisode 2 vous a plu, que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous, bah, c'est parti, on y va pour l'épisode 3. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, bien sûr, de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de commenter, bien sûr, je compte sur toi. Allons-y, c'est parti, let's go. Allez. Donc du coup, Tar, le pote de Rose, qui est un peu amoureux de Rose, je pense, a vu Shay et Falan s'embrasser. Ils ont couché ensemble deux fois, voilà. Et donc Falan, on sent qu'il a envie de que ce soit pas juste une histoire de sans lendemain d'un soir, mais beaucoup plus. Shay, par contre, est plus sur la réserve, mais on va dire qu'il peut pas refuser ce qu'il ressent. Et donc du coup, il est attiré malgré lui vers Falan, et ce que je peux comprendre tout à fait. Donc voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont recouché ensemble. Donc Shay, lui, il est plus du genre à pas vouloir mélanger petite amie d'un soir, tout ça. Et on sent qu'il est peut-être prêt à briser peut-être quelque chose là, hein, voilà. Gir et Prince, les deux couples, le couple là que j'aime beaucoup et qui sont trop mignons, franchement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus. Franchement, j'aimerais bien. Allez, c'est parti. Ça, c'est vrai. Normalement, quand t'es ami, quoi. Hein? Des avantages. Bénéfices. Coquin, hein. Il dégage quelque chose, Falan. C'est un truc de fou, hein. Cet acteur. Waouh. Quand même personne. Tu as accouché quand même avec lui deux fois. Je dis ça, je dis rien. Oh là là. Deux fois, c'est ça. Il est beau, hein. J'adore. Embête-le, ouais, pour lui faire prendre conscience. C'est bien. Oh, j'adore. Oh là là. Ah bah oui, oui, il est accro. Ouais. Tu es incroyable. Ah ah, lui bien sûr il est tout content. La journée, n'importe quoi. Et t'es revenu quand même, hein. Voilà. C'est le buzz-off le plus chaud que j'ai vu. Hein. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est le buzz-off le plus chaud que j'ai jamais vu. Hein. C'est sûr qu'à côté, les autres, ils font un peu genre nier un petit peu. Hein. Certains, pas tous, mais ouais. Menteur, menteur! T'as pas fait semblant du tout, t'étais à fond. Aujourd'hui, je... Ah, j'adore! Le vent de l'amour. Oh! Pour qui? Ah oui, parce qu'il y a plusieurs couples. Hein. Il y a plusieurs couples. Hein. Donc, le vent de l'amour, c'est pour qui? Parce que je pense que Tar a des sentiments pour Rose, moi, je pense. Il y a le couple Gir et Prince, bien sûr, aussi. Il y a Tap, oui, et Ping, aussi. Ouais, qui sont juste potes, mais Ping, ouais, il est amoureux de Tap, ça se voit. C'est bien qu'elle écrive. J'aime bien. Je sais pas dans sur quoi elle est comme réseau social.
Je sais pas du tout sur quel réseau social elle est, mais j'aime bien. Elle tient quand même un petit journal intime, j'ai l'impression. Et il insiste. T'as pas le choix. Je crois que oui. Hein. Et oui, et Yatli aussi. Le mec normalement de Fallon. Ami avec davantage. Donc il est partant. C'est bien. Il a un truc. Oh là là, mon dieu, il fait craquer. Oh. Il est beau. Chez aussi est très bon. Hein. Vraiment. Papa, mon numéro. Ah ah. Il va lui donner. Il va lui donner. Attention. Je pense qu'il va lui. Il lui laisse pas le choix en même temps. Hein. Genre, t'as pas le choix, tu me donnes ton numéro ou quoi. Il a un pouvoir, ce Fallon, mon dieu. Il dégage un truc de fou, hein. Je veux que tu le fasses. Oh mon dieu. Je vais t'embrasser déjà jusqu'à ce que tu le fasses. Oh mon dieu. Tu veux que je le fasse. Waouh. Oh franchement, je vous dis, moi, je craque tout de suite, moi. Oh, vraiment, hein. Fallon, ouf. Ah, Sherbert. Ah, il a mis son prénom. Est-ce qu'il lui a donné son vrai numéro? Tu perds mon numéro. Ah ah. Friend with benefits, c'est ça. Oh là là, mon dieu. Mais Rascal, il est vraiment à fond, hein. Tant pas amoureux. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, il est déjà amoureux. Mais oui. Il dégage un truc, c'est un truc de fou. Oh là là, moi il me laisse vraiment pas du tout indifférent, hein, Fallon. Vraiment, waouh, j'adore. Pour ceux qui connaissent la série Queer as Folk, il me fait penser à Brian un petit peu. Ouais. Brian, c'est le beau gosse, tout le monde craque pour lui, il s'attache à personne parce qu'il enchaîne les conquêtes, tout ça et tout. Pur beau gosse, et c'est ça, Brian. Et Justin tombe amoureux de lui. Voilà. Et c'est un peu ça, ouais, pour moi, Fallon. C'est un peu le même genre. Bah alors, ça va pas? Je sais pas si Tap voit Ping comme Ping voit Tap, vous voyez? Il a trop bu. Et nous, on sait que Ping a des sentiments pour Tap. Tiens, un petit peu. Quand il s'agit de sexe, c'est ça.
Oh là là, sacré phare. J'ai l'impression qu'en fait, il s'intéresse à la vie de Fallon parce que lui, sa vie, elle n'est pas comme la sienne. Et je pense qu'il aimerait bien avoir la même vie que Fallon, je pense. Je pense. Le pauvre Tap, il est bourré. Et il a la gueule de bois. Il a trop bu. Ah, Jean et Prince, le petit couple mignon. Alors, et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Pli aussi, hein. Ah. Oh, et jamais très loin, hein. Mais il est trop sous l'emprise de Shea, hein, encore, hein. J'espère que Shea va pas faire rater ce qu'ils sont en train de vivre, là, tous les deux. Bon sang, lui, j'ai... En fait, je pense que... Il a compris que Jean était intéressé par Prince. Comme Jean, c'est quelqu'un de bien, du coup, je pense qu'à chaque fois, il lui dit « Prends soin de lui ». Parce que peut-être que... Ouais, mais en même temps, il veut le garder un petit peu... je sais pas... Ah. Oh. Il est amoureux d'elle, moi je pense. Ouais, moi je pense. Okay. Il est jaloux. Suis-moi. Ouais, il est amoureux d'elle, ça se voit. Mais est-ce que Rose le voit comme un futur petit copain? Ça, je sais pas. Il a le numéro de chez maintenant, hein. Il est tout content, là, de Fallon, hein. Amoureux, c'est bien. Il est toujours aussi curieux. Par contre, il faut vraiment qu'il. S'il y a encore un truc avec Tli, il faut vraiment qu'il règle. Parce que franchement, ça sert à rien qu'il continue avec lui, quoi. Oui! Ouais! Bon ben voilà! Ouais! Oui. Quoi ces questions? Ben oui! C'est bizarre, hein, qu'il est aussi intrusif dans la vie personnelle de Fa, moi je trouve. Je pense parce qu'il veut la même vie, hein. Allez. Les commérages. Ouais, c'est les commérages. C'est pas silencieux. Ils sont rentrés ensemble et ils ont recouché ensemble. Ah, il était là-bas derrière, en fait, il a vu. Oh là là, ils sont chauds. Il a même pris une photo. Eh ben. Eh, vas-y, je te mordis la lèvre. Ah là là. C'est la preuve. Ah bah là.
Eh oui, c'est ce qu'elle voulait en plus. Bah oui, ils ont déjà vu ça ensemble. Eh oui, elle est toute contente, elle. Elle adore les histoires, elle, hein. Ça la rend heureuse en fait de voir Zan ensemble en fait. Ouais, c'est ça en fait, elle aime ça. La plus grande fan de Boys Love, c'est ça. Il doit rien comprendre tard, le pauvre. Ah, il essaye d'appeler chez. Je pense, non? Je pense que oui. Oh. Il est vraiment amoureux, hein, c'est fou, hein. Tous ces airs là, hein. Mais il a raison un peu, hein. Il faut qu'il se mêle de ses affaires, Ping. Il est trop intrusif. Moi aussi. Il est beau. Ouais, énormément d'importance à chier. Énormément. Ouais, mais lui particulièrement. Ouais, je pense. ถ้าเกิดว่าใช่อ่ะมึงก็ไปต่อแต่ถ้ามึงคิดจะสนุกสนุกอ่ะกูต้องถอยเลยว่ะอ่ะเนี่ยมึงอย่าลืมฝ่ายเจ็บทำไมวะเพราะคนที่ไม่เชื่อมั่นในความรักมักหาหนทางความสุขในความรักนั้นไม่เจอเลยไม่ได้พอใจว่าต้องอยู่ที่ใครสักคนไง Non, moi je pense qu'il faut qu'il s'accroche parce que je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, on va avoir un chèque qui va s'ouvrir un peu plus. Je pense. Si, bien sûr que si t'es amoureux. Ben oui, ça se voit. Franchement, il est vraiment magnifique, Fallon. Oh là là. Mais
คือแกมั่นใจได้ไงวะว่าพี่ฟาร่านกับเชอร์เบตเนี่ยเขาจะคบกันจริงก็เพราะว่าแกเคยเห็นพี่ฟาร่านกับเชอร์เบตจูบกันแล้วใช่ไหมแล้วเพื่อนฉันก็เห็นพี่ฟาร่านกับเชอร์เบตจับด้วยกันอีกครั้งนึงก็ใช่แล้วไม่เกี่ยวกันยังไงทำไมจะไม่เกี่ยวอ่ะก็เพราะว่าเชอร์เบตอ่ะไม่เคยไปกับใครเป็นครั้งที่สองแสดงว่าคนเนี้ยก็ต้องพิเศษอ่ะแบบ ça c'est plus que spécial même hein alors fan il a trouvé son chien Lunette, je suis très sérieux comme ça, hein, coiffure en arrière. C'est quoi ce look, ouais? Non, je ne sais pas si c'est un travail. Non, c'est un travail. Non, c'est un travail. Non, c'est un travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas chez, non, si? Je ne sais pas. ลูกเนี่ยก็อาบเลยนะตอนนี้กินอะไรมาหรือยังยังอ่ะหิวมากเลยตอนนี้ c'est pas chez chez est derrière หิวจริงๆ il ressent vraiment เป็นกินเลยปะ c'est le alors ah c'est le frère แม่ไม่จูบตรงนี้เลยให้มันคางเมื่อคืน chez mère comme la nuit c'est son frèreIl a un frère. Toujours excité. Oui. Oui, c'est son frère. Frère, quoi ? Son jumeau, carrément. Ni rien, non. Je vous ai dit. Non, non. Je vais dire qu'on est déjà venu. Tam, ni Falan. Tam.สวัสดีฟาลันบอกชอบฟาลันกูเชื่อตามแพทย์ปีสี่แต่พี่เอเชียเนี่ย son jumeau elle est c'est lui qui est né en première là ah ah ตัวเป็นอ้าวนี่คือหนึ่งกินกูทั้งตัวแล้วเหรอพอแล้วEh ben, ça j'avais pas. Ton nouveau copain. Ah. Ah, peut-être ça va changer ça. Il tient à toi, ouais. Il tient beaucoup à toi. Ah, bien. Si, c'est vrai. Tu fais genre, hein. Mais c'est vrai. Ah. Ah.Le frère de chez une petite touche hein, on dirait là-bas derrière. Il est pas mal d'ailleurs. Il est beau. Et ping. Il est pas méchant mais bon. En fait c'est un peu saoulant qu'il s'intéresse tout le temps à la vie de Falan en fait. Bon après ils sont amis mais bon c'est trop quoi.ก็มึงบอกกูเองไม่ใช่หรอห้องสมุดมันเงียบเขาห้ามคุยกันเวลาไม่สบายใจมึงชอบมานั่งห้องสมุด il est pas mal hein aussi hein tape ไม่กลัวกลัวไม่รู้นะไม่รู้ไงนะชื่อตัวผมแบมส์ bravoJ'ai pas l'impression que Tap le voit comme un peut-être potentiel petit copain. Non, j'ai pas l'impression, mais bon, on va voir. Ça devait faire bizarre maintenant. Parce qu'il a révélé des choses quand même un peu intimes. La prochaine fois, mon futur beau-frère. Oh!C'est bien.
Oula, viens m'avaler tout entier la prochaine fois. Oh, mais c'est un coquin aussi, hein. Il est aussi coquin que son frère, hein. Ah. Oh là là, regardez-moi ça. Il est charmant. Ouf. Bon, je crois qu'il va se passer un petit truc aussi entre eux, non? Regarde, il les a vus ensemble. Il les a vus ensemble. C'est Falade. J'adore. Je suis embarrassée. Ben oui. Tu l'as bien mérité. Pas encore. Oh. Ils sont trop mignons, j'adore. Je suis comme elle, hein. Je les adore ensemble, moi. C'est ça, c'est vrai, hein. Ils sont très mignons ensemble. Hein. Ces deux beaux mecs, quand même, réunis en un couple. Ah. Bon, ben Pim, il est vraiment genre mon love to love, hein, de son pote, hein. Ouais, très curieux d'ailleurs. C'est bien. T'en fais pas, Fa, il est en train de manger. Il est bien. Ils sont beaux tous les deux. On va sortir. Ils sont trop mignons ensemble. Oh là là. Ils sont beaux, hein. Allez. Oh là là. Je t'embrasserai ici. Oh là là. Il embrasse quand même. Il aime, hein, son cher. Oh là là. Ouais, hein. Je pense que tu l'aimes, toi. Et je le veux, c'est ça. Tu le veux, hein. Je ne l'aime pas. Moi, je pense qu'il aime vraiment. Hein. Vu comment il est. Oh. Oui, parce qu'il y a une pièce aussi derrière tout ça. แล้วเรื่องเสื้อผ้าก็จะเป็นคนเลือกหรือจะให้เอ็มมาเลือกไปเลยฉันเอาแบบของคร่าวไปละ
Bon, quand je fais cette vidéo, je vois que l'épisode 1 a été débloqué, donc ça c'est cool. Je croise les doigts pour que l'épisode 2, pareil. Mais j'espère que j'aurai pas de problème pour les autres épisodes, parce que j'aime bien. Ça la rend très heureuse, hein. C'est bizarre, hein. Ça la rend autant heureuse. Ouais. Après, c'est cool, c'est pour les deux personnages, mais de là, ouais, à être comme autant comme ça, c'est beaucoup, quand même. Est-ce qu'ils vont se reparler? Et franchement, c'est bizarre, mais on n'a plus aucune nouvelle de Tilly, hein. Rien. C'est bizarre, hein. Mais je comprends même pas pourquoi, en fait, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est rose. Ah, ils ont pris, elle a mis une photo. En fait, elle a un compte sur Facebook, ok. Donc elle fait sur Facebook. Elle a un compte sur Facebook qui s'appelle Cute Boy. Et je pense qu'elle parle que de les tissus sont. Ah, t'abuses, t'es beau. Non mais il abuse. Les oreilles aussi. Ah, on parle enfin de Tilly, quand même. Moi, je trouve ça bizarre d'ailleurs, ouais. Je pense qu'il devrait le laisser en fait. Tennis plus tard. C'est quoi? C'est Tilly? Je pense que c'est Tilly. Je pense. Je sais pas pourquoi il reste encore avec lui. Ça, je comprends pas. J'arrive même pas à comprendre en fait ça. C'est bien par contre qu'il soit resté en bon terme, mais je trouve que quand même il est très envahissant dans la vie de Prince. Ouais, et c'est dommage. Ah, que j'ai ça contrarié. Ah, il les a pas vus.
C'est tout mignon, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce midi, c'est clair. 10 000, waouh, 10 000 j'aime. J'ai jamais eu ça, moi. Où l'a-t-il déjà gagné? Ah, hein. Ah, on a piqué quelque chose, là. Là, c'est vrai. Ah, des beaux cheveux, hein. Très beaux cheveux. Non, c'était cool qu'ils soient restés en bon terme comme ça, ils sont proches et tout. Mais il faut pas qu'ils fassent de l'ombre à Gia, en fait. Et non, je veux pas, moi, ça. Ah, ah. Rose, encore. ตารางซ้อมละครค่ะพี่ฟ้าใช่ไม่ตรงกับตารางที่พี่ฟ้าส่งมาให้เพลงแล้วนะคะพี่ฟ้าลองเช็คดูก่อนก็ได้อ๋อครับหน้าของน้องพิงแต่น้องพิงแน่ใจนะครับว่าจะไม่เปลี่ยนพระเอกอ่ะพอดีพี่ไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยอ่ะ Bon, c'est cool, je crois que l'épisode 2 est débloqué. Donc ça, c'est bien. Oh là là, bon, maintenant on croise les doigts pour l'épisode 3. Bon, bah, il va faire la pièce, c'est cool. Elle craque. Ah, mais c'est clair, il est si mignon! Plus que mignon, même, il est magnifique! Mais très très beau! Dans les vestiaires! Ah ah! Un très beau corps! Waouh! Moi j'adore! Ouf! Waouh 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 waouh! Waouh, 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 waouh. Il est beau. Je pense qu'il fait vraiment partie du top de beau gosse, hein. Vraiment, hein, dans les briseaux. Je sais ça. Il va venir. Ah. Ah! Oh, il veut me voir jouer. Ah, il y a Isa Mental. Ah, c'est bien, il brise un petit peu hein, ces murs là, hein, c'est très bien. Il est beau. Tu peux rester comme ça, mais tout le temps, genre, t'es magnifique. Je sens avec des amis, mais arrête de mentir à Tli. Mais lui aussi il s'en bat les couilles. C'est trop bizarre. Je comprends rien à leur relation à tous les deux là. À Tli et à lui, je comprends rien. Et je sais même pas en fait pourquoi ils continuent à être ensemble. Il y a vraiment réservé une table, c'est cool. Une table d'honneur en plus, hein. Il va pas être tout seul à cette table quand même. Michel a déjà commandé. Ouh! Eh ben. Genre, c'est l'invité d'honneur. Waouh! Il le connaît bien. Oh là là, petit regard. Ah, c'est beau, ouais. Ça vaut le risque. Oh, t'as aucune chance, hein, ma belle. Hein. Aucune. Ça va, ton ami? Oula. Ça, t'as aucune chance. Ah, il voulait pas rester avec elle.
Très bien, ça. En fait, maintenant, il n'y a Dieu que pour Shay. J'ai l'impression, hein. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il reste avec Lee encore. Très bizarre, ça. Je comprends pas trop leur relation. Bonne. Ah, c'est Lee. Ah, ben voilà! Enfin! Ah bah attends, moi je suis content parce que comme ça moi c'est bon, c'est terminé les deux et on n'en parle plus. Oh, ils sont encore ensemble. Je vais avec moi. Oh là, il prend... Ouf. Oh. Regardez comme il est... dans mon lit, juste pour dormir. C'est des suçons. Enfin, je crois, je sais pas, on va voir. Mais waouh, ok, j'adore. Waouh. Bon bah c'est évident que de plus en plus Shay et Eva vont être complètement ensemble et ça c'est trop bien. Ça y est, avec Lee, franchement je comprenais pas cette relation. Pour moi elle était bizarre, elle était même elle devait pas exister en fait, tout simplement. Et je comprends pas pourquoi ils s'acharnent à rester soi-disant ensemble alors que Fallon n'a Dieu que pour Shay. Et même Lee, en fait, il était amoureux de Non, donc je comprends pas. Bon, maintenant, je crois que c'est bon, ça va être réglé, ça. Donc, tant mieux, heureusement, ça pouvait pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est ça, et Prince, ça avance pas trop. Hein. C'est un peu mou, hein. De son côté, Ping, eh ben, pareil, hein, ça n'avance pas du tout. Bon, après, on est que à l'épisode 3, donc on a le temps. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que le couple principal... Fallon et Shay, ça avance très 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 bien. Mais le truc, c'est que comme on est au début, ça se passe bien, on va dire ça commence à aller bien. J'ai peur qu'il y ait un truc qui fait que... Eh ben, ça vient tout casser. Et ça serait dommage, parce que je pense que si Shay s'ouvre un peu à Fallon, et il a jamais fait auparavant, et qu'il se passe un truc grave, je pense qu'après, ça va être compliqué. Et je pense que Fallon va devoir ramer après. Je sais pas encore, hein, j'ai pas fait le scénario ou quoi que ce soit, mais je me dis que le fait que ce soit si bien comme ça, c'est sûr qu'après il va y avoir un truc qui va pas, je pense. On va voir. En tout cas, j'ai passé un super bon moment, franchement. De plus en plus, on avance dans les épisodes, de plus en plus, j'adore ce Boys Love. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et il est chaud, ça c'est clair et net, mais il est bien, voilà. Encore là, ça va cet épisode, hein. L'épisode d'avant, c'était ouf. Bon, en tout cas, je suis content parce que l'épisode 1, l'épisode 2 est débloqué, donc il va pouvoir passer sur la chaîne. Maintenant, on croise les doigts pour l'épisode 3. Eh oui, allons-y. Bon, plein de gros bisous, à bientôt. Ciao, bisous.